Avis à la population, 8 Mont-Blanc vous présente la place du village. Ambiance musicale pour débuter cette émission, madame, monsieur, bonjour. Nous sommes, pour l'occasion, vous l'avez peut-être reconnu, en compagnie de fidèles de la place du village, à mes côtés, Dédé Duret. Bonjour Dédé. Bonjour. Toujours content de vous recevoir. Hein. On est ravis, surtout en musique aujourd'hui, avec des petites nouveautés, on va le voir. On est toujours, bien sûr, dans cette belle vallée verte, à Aber-Lulin, à vos côtés, inséparable, le baron des Abers. Bonjour le baron. Bonjour. Le baron est inséparable de Lino. Bonjour Lino. Non, non, mais ça dépend si des fois, si. Alors, on a débuté cette émission avec un très beau morceau de musique. C'est du Grappelli, Roger, c'est ça? Voilà, c'est ça, célèbre violoniste, voilà. Aujourd'hui, vous n'êtes pas seul. On va dire que vous avez trouvé des amis et cette émission sera consacrée à la belle musique, justement, que vous entendez, que vous aimez surtout. Roger, comment vous avez découvert les frangins Roquefeuille? Bizarrement, on s'est croisé une fois avec Christophe, le premier frangin, vu qu'on est voisins. Et moi, j'étais en train de jouer chez moi, c'était le 14 juillet, il faisait beau, tout était grand ouvert. Puis il a débarqué avec sa basse et son ampli. Alors, je lui ai demandé, tu veux une chaise? Il dit non, non. Et puis voilà, et on a joué pendant plusieurs heures comme ça, ça a commencé comme ça. Un début d'histoire, on va dire, commune. Alors, le groupe avec les frangins s'appelle Le Baron et One Family. Voilà, c'est ça, c'est Christophe qui a trouvé le nom. La famille. Ouais, le baron et One Family, le baron et la famille, oui. On va aller saluer Dominique, bonjour. Bonjour. On entendra tout à l'heure dans une très belle chanson. Et Christophe, bonjour. Bonjour. Pas plus pour l'instant, ils ont un petit peu l'accent du sud, ils sont pas originaires de la Vallée Verte. Hein. Comme moi, pareil. Breton, il est breton. Alors tout de suite, de la musique, nous sommes le 23 mars 2016, dehors la bise souffle, nous sommes bien au chaud, comme d'habitude. Au coin du feu de la cheminée de Dédé, Dédé Vision, le bien connu dans cette vallée, qui retransmet toujours d'ailleurs en direct beaucoup d'émissions et en différé, qui a fait beaucoup. C'est votre fils Dédé qui a repris le flambeau aujourd'hui. Oui, oui, celui qui me remplace, parce que je ne peux plus courir assez vite. Hein. Il continue Dédé, bien sûr. Et merci de nous recevoir ici. À la caméra, c'est Christian Rossin. Tout de suite un morceau, le trio, le Baron et One Family, avec Christophe, Dominique Roquefer et puis Roger Legras, le baron, ça s'appelle Russica, on n'en a pas plus. Écoutez. We'll be right back.
Allez, les voilà, le trio, le Baron et One Family. One Family, ils sont à mes côtés, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est Christophe et Dominique. Tous les deux, dites donc, pas d'accent de la vallée, Christophe. En faisant des efforts, je crois que ça marche toujours pas. Donc en fait, non. Alors on va bien préciser d'où vous venez. Vous venez essentiellement de Montpellier, c'est ça? Mais vous avez vécu longtemps au Pays Basque. Voilà, tout à fait. Originaire de Montpellier et plus de 20 ans au Pays Basque, près de Bayonne. Voilà. Et alors, étonnant, Dominique, vous êtes là depuis très peu de temps finalement? Alors oui, je suis là depuis la rentrée scolaire 2015. Donc voilà, je travaille sur Thonon. Et préciser où exactement? Alors je travaille au Collège du Sacré-Cœur, dont je salue mes élèves et l'équipe d'enseignants, des collègues. Donc à Thonon, le Collège du Sacré-Cœur à Thonon. Et alors le frangin, lui, travaille aussi pour l'instant au Collège Champagne à Thonon, c'est ça? Et voilà, c'est ça, Collège Champagne. Donc Dominique est enseignant en éducation physique donc au Collège du Sacré-Cœur. Et moi, donc en éducation musicale, en musique, au Collège Champagne. Je fais un petit coucou à tous les élèves également. Pas concurrent quand même, tous les deux. Confrère. La bonne humeur du Sud. Alors, une chose à préciser, dans la famille Orfer, ils ont deux gènes, le gène du sportif et le gène du musicien. Alors, Dominique, vous êtes moniteur, vous, d'escalade, vous avez même des titres, hein, c'est ça, et vous êtes moniteur de surf. Surf, oui, voilà, tout à fait. Vous pratiquez bien sûr le ski, le surf. Snowboard beaucoup, donc en fait ici, bon, c'est clair que sur la Vallée Verte, c'est un jardin formidable, un vrai terrain de jeu. Voilà. Alors la famille Roquefer a aussi deux autres frangins qui sont à Montpellier, on les salue d'ailleurs au passage, qui sont aussi sportifs et aussi musiciens. C'est incroyable ça, Dominique. Tout à fait, donc on a un troisième frère qui a fait du haut niveau en gymnastique, qui était au centre donc, de Montceau-les-Mines, et qui est également percussionniste, hein, tout à fait. Ouais. Et le quatrième? Et quatrième, qui est directeur technique national des équipes de France d'arts martiaux chinois, et qui est également guitariste, donc sport et musique. Ça, c'est incroyable, le papa est musicien et la maman est prof de gym, c'est ça, ça voilà. Expliquez ça. C'est ça, une éducation musicale et une éducation... sportive, on va dire. Alors, on a beaucoup de chance de vous avoir ici. Vous, guitariste, chanteur, dans un instant, on va vous entendre. Et puis, vous êtes bassiste. Depuis combien de temps, vous? Depuis toujours, vous êtes dans la musique? Oui, enfin, on a toujours eu des instruments à la maison, on a toujours entendu de la musique, donc voilà, ça s'est fait en transition, on va dire, naturellement. Après, le choix de l'instrument est quand même assez déterminant. Voilà, à 18 ans, on choisit son instrument. Moi, j'ai choisi la basse, j'ai toujours aimé la basse, et puis elle est toujours là. One Family, on aime bien ce nom-là, c'est la famille finalement. Depuis combien de temps vous jouez ensemble tous les deux? Donc on joue ensemble depuis environ une dizaine d'années. Une dizaine d'années, on a toujours recherché à promouvoir la chanson française et véhiculer la culture musicale. Hein. Quel titre à votre répertoire? Nous avons environ entre 200 et 300 titres en reprise, hein, en chanson française. On aime bien aussi faire quelques petits clins d'œil à la chanson anglophone. Exact. Et le jazz aussi. Et le jazz. Donc notre répertoire est essentiellement axé sur de la variété jazzy. Voilà. Alors tout à l'heure, on donnera les coordonnées pour vous retrouver justement avec Le Baron, parce que c'est le nouveau groupe qui vient de se former, Le Baron et One Family. Avant de vous retrouver tous les trois, on va vous retrouver tous les deux maintenant dans un très beau morceau qui est l'un des morceaux préférés de Christian Rossa et certainement de vous, amis téléspectateurs. Ça s'appelle Le Sud. Écoutez, c'est beau. C'est interprété par les frères Roquefer. One Family. On les écoute. Qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse, et c'est joli. On dirait le sud. Plus d'un million d'années. Et toujours en été.
la pelouse. Y a plein de chiens, y a même un chat, une tortue, des poissons rouges. Il ne manque rien. Le sud, le temps dure longtemps, et la vie sûrement, plus d'un million d'années. La guerre, on le sait bien, on n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin. Tant pis pour le sud, c'était pourtant bien. On aurait pu vivre plus d'un million d'années. Et toujours en été. Nous sommes chez Dédé Duré, bien sûr, avec le Baron. Et puis, cette fois-ci, les deux frangins qui viennent du Sud, justement. À quelle occasion on peut vous retrouver? On peut vous demander, tous les deux, par exemple? Nous, on est tout le temps en fait, disponibles, hein, si jamais il faut. On n'est pas loin, on est toujours ravis de jouer, de faire partager la musique. Donc, Un numéro de téléphone, tiens, celui de Dominique. Oui, donc, comme disait Christophe, nous sommes sur la Vallée Verte. Hein, nous vivons là et nous sommes joignables au 06 72 04 35 72 et disponibles pour éventuellement aller jouer ou faire des prestations dans toute la Haute-Savoie, par exemple. Et puis ailleurs aussi, et puis avec où? Ou avec ou sans le Baron? Avec, parce que c'est une belle équipe. Ah ben c'est... Alors vous avez le temps de tout faire quand même, parce que vous qui êtes surfeur moniteur, on va le rappeler quand même, vous avez participé au Mondial du Surf. Vous êtes un des grands surfeurs de France, on peut le dire quand même, en tant que moniteur déjà. Ah ben, en tout cas, je connais toute la maison du surf, on va dire. Bonne partie, oui. Alors ici, vous surfez un petit peu moins sur l'élément quand même? Maintenant, on a le stand-up qui est rattaché à la Fédération Française de Surf, ça rentrait forcément dans le détail technique. Mais aujourd'hui, concrètement, on peut surfer sur tous les plans d'eau, donc le lac Léman est un super terrain de jeu pour aller glisser. Voilà, donc on est très bien servi ici. Vous avez le temps de tout faire, les frangins, parce que le sport, ça prend du temps, l'enseignement aussi, la musique aussi. Comment vous faites alors? Tout réside, je dirais, dans l'art, de ne pas concilier boulot, travail et passion, c'est-à-dire faire un travail très intéressant, mais garder du temps libre pour justement nos passions. Voilà, pour les garder le plus longtemps possible, pour les conserver le plus longtemps possible dans notre vie. Voilà. Voilà un bel exemple de sagesse. Hein. Allez, tout de suite, on va vous retrouver avec le Baron, justement, le trio. Le Baron et One Family, on aime bien la formule. Hein, le Baron et la famille. Et ça s'appelle Corsica. Écoutez bien, c'est parti. Musique.
Corsica, on retrouve ici maintenant, toujours bien au chaud, on retrouve Dédé. Quel bonheur d'être ici. La bise souffle dehors, il fait froid, on est bien au chaud, on a de la musique, des amis, et puis vous avez votre copain le baron à côté, on est bien ici. Ah oui, oui, et puis je reconnais que en son temps j'avais apprécié la musique du baron, et aujourd'hui j'apprécie le talent des guitaristes. Hein. On vous a vu tout à l'heure. Surpris, hein, en bien. Hein. Alors là, ils sont labellisés de la Vallée Verte maintenant, eux ? Ben j'espère qu'ils y resteront plus possible, hein, oui. Puis qu'on les utilisera au maximum. Hein. Dédé, on vous a vu tout à l'heure, 90 ans bientôt, le 2 août hein, 2016, Dédé. On vous a vu sous le charme, c'est le cas de le dire, de ces beaux morceaux. Vous appréciez ça? Ah oui, oui, oui. Oui, ce qui est la musique en général, n'importe laquelle, quand c'est de qualité, j'apprécie réellement. Vous vous rendez compte du talent? Les trois habitent à Berpoche, vous vous rendez compte? Ah oui. Ils ne sont pas d'Aberlulin, mais c'est tout à côté quand même. C'est vraiment exceptionnel. Hein. On a beaucoup de chance de vous avoir, c'est grâce à vous qu'on est ici bien au chaud. Le baron, inévitable, vous êtes toujours ensemble avec le baron? Ah oui, oui, il vient de temps en temps me faire un tour, j'ai besoin d'un montage. Le baron, toujours le même, le baron Dédé. Le baron qui cet hiver a chanté avec son copain Patrick Fiori, ce Corse, c'est pour ça qu'on a eu Corsica tout à l'heure. Vous l'avez rencontré plusieurs fois déjà. Et quand vous le croisez, Patrick Fiori, vous chantez avec lui, c'est spontané. Enfin, vous chantez, vous jouez de l'accordéon et il chante, c'est spontané. Oui, enfin, en fait, c'est le deuxième hiver qu'on se rencontre. Ouais. Il y a trois amis qui viennent depuis au moins une vingtaine d'années. En Vallée d'Eau, hein. En Vallée, oui. La Grande Terche. La Grande Terche. Ouais. Et puis donc, on s'est rencontrés l'année dernière, l'hiver dernier, on va dire. Et bon. Moi, s'il y a bien un chanteur, je connaissais aucune de ses chansons, j'étais même assez culotté de lui demander, à la fin du repas, dit, c'est ça, le baron. On peut s'en faire une ensemble, il me dit laquelle tu veux, le baron, dit tu choisis. Puis on a joué, moi j'ai joué, et il a chanté Belle de Notre-Dame de Paris. Derrière le bar, tous les deux, il y avait tous les clients tout autour. Puis ben, cette année on s'est retrouvés, mais là il a chanté un peu plus. Et c'est assez exceptionnel parce que c'est un gars... Je trouve pas les mots tellement il est chaleureux, il est gentil, il est simple et tout. Et c'est le seul endroit à la Grande Terre, donc chez William et puis Ambelin Minet, où il est vraiment à l'aise et puis où il chante ce qu'il ne fait nulle part ailleurs. Et j'ai même réussi, sans le vouloir, le faire danser le Sertaki. Et c'était une bonne soirée, un bon moment. La musique qui rassemble, alors qui rassemble les hommes, mais qui rassemble aussi votre Lino. Décidément, on a vu Lino vous lécher l'oreille pendant l'interview. Vous êtes plus que jamais inséparable. Ouais. Alors là, comme je dis, là, c'est mon chien de compagnie. Mais je l'ai déjà dit, l'hiver, quand il y a trop de neige, je vais pas le nourrir à rien faire. C'est lui qui tire la voiture quand il y a trop de neige. Hein, faut bien qu'il serve à quelque chose. Non, il a toujours cette petite médaille avec la Sainte Vierge. Ouais, la Sainte Vierge, oui, toujours. Ouais. Et aujourd'hui, il a mis la casquette irlandaise. Parce que dans la dernière chanson, on aura une chanson, justement. Et puis l'Irlandais, c'est un York. Terrier irlandais. Ah, ouais, ouais. Tiens, voilà. On va finir cette émission. Roger, on va donner votre numéro de téléphone. Les gens qui vous veulent, on sait que vous tournez déjà pas mal, mais notamment dans les grands établissements de Megève, entre autres. Un numéro de téléphone, ben, 0450 31 09 23. Voilà, le baron des Abers, ici. Pour finir cette émission, on va retrouver un morceau qui s'appelle Ballade nord-irlandaise. C'est Renaud. C'est très, très beau. Eh bien, écoutez, on est très content d'avoir passé ce moment ici avec les frangins Roquefer. On salue les deux qui sont absents ici, hein, qui sont du Sud. Ils ont gardé l'accent du Sud, mais ils sont déjà d'ici, Dédé. Ça vous fait plaisir. Ah oui, oui, oui. Vous voulez les garder? Sincèrement, oui. Ben, nous aussi. Alors, contactez-les pour les avoir, pour avoir le trio, parce que franchement, ils sont extraordinaires. 300 chansons, 300 morceaux à leur répertoire. On les retrouvera certainement dans la place du village. Et puis, ce sont deux profs aussi. Alors, ils ont bien de la chance, les élèves, d'avoir deux profs comme ça. Parce que, dites donc, on ne s'ennuie pas avec vous. On essaie de faire au mieux pour garder un intérêt sur l'activité physique et sportive, puisque c'est d'éducation physique et sportive qu'il s'agit d'abord. Alors, un petit mot quand même pour dire de la fameuse chanson. C'est une de mes chansons favorites, mes musiques favorites. Ballade nord-irlandaise, qui a été chantée également, non seulement avec Renaud, mais avec Goldman Jones et très important que j'ai eu la chance de connaître, qui n'est malheureusement plus de ce monde, Carole Fredericks. J'ai eu la chance et puis
l'honneur de prendre le petit déjeuner à Quimper avec elle. Un très très grand moment de partage avec cette femme qui était délicieuse à souhait. Merci beaucoup, merci à Dédé pour l'accueil, merci au Baron et à One Family, bon vent aux frangins, et puis on écoute Balade nord-irlandaise de Renaud, et merci aussi à Christian Rossin. C'est parti, écoutez la musique. À la population. Huit Mont Blanc vous a présenté la place du village.